Notre prochaine intervention, donc, est une intervention conjointe, comme vous pouvez le voir. Une intervention donc de Sandrine Laveau et de Vincent Or. Merci d'être avec nous. Alors, tout d'abord, Sandrine Laveau, vous êtes maître de conférence en histoire médiévale ici à l'Université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes directrice adjointe du laboratoire Ozonus. Je ne le suis plus. Je vous rappelle que c'est M. Capdeltré qui a pris ma suite. directrice donc. Ex-directrice du laboratoire Ozonus, pardon. Vous êtes spécialiste du vignoble bordelais. À l'époque médiévale, également spécialiste d'histoire urbaine à la même période. Vous êtes notamment co-directrice de la collection Atlas historique des villes de France avec Ézéchiel Jean Couret. Vincent Or, vous êtes historien, professeur certifié d'histoire-géographie, si je ne me trompe pas. Vous êtes spécialiste d'histoire militaire de la fin de l'époque médiévale. Vous avez notamment étudié le cas de Bordeaux et d'autres villes voisines plongées dans le contexte de la guerre de Cent Ans. Dans plusieurs de vos articles notamment. Vous avez également participé à la conception et réalisation d'expositions consacrées à la bataille de Castillon. Vos deux sujets touchent donc à l'histoire de la ville en guerre, et plus particulièrement des villes médiévales pendant la guerre de Cent Ans, et c'est dans ce cadre-là que vous allez maintenant évoquer l'intérêt stratégique qu'a représenté le siège du castrum d'Auberoche pour la ville de Périgueux. Je vous laisse la parole. Moi, je me permets tout de suite, Vincent, de vous remercier, remercier à la fois tous les organisateurs et de ce remarquable colloque, et vous remercier aussi de nous donner l'occasion à tous les deux de composer ensemble. Vincent est un de mes plus anciens étudiants, et je me réjouis, là aussi, d'être dans la transmission et dans la collaboration qui se joue maintenant. Donc, merci de cette opportunité. Oui, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous, Sandrine. Et j'apprécie le fait que ce soit dans le jeune chercheur que ça se passe, même si c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir étudiant, une telle structure. J'ai assisté au premier, je rejoindrai complètement Caroline Mahou. J'étais vraiment bluffé par le professionnalisme et par tout ce que vous aviez réussi à mettre en place. Alors, malheureusement, j'avais pu assister qu'au tout début, mais vraiment, c'était vraiment très impressionnant. J'aurais vraiment adoré être étudiant avec vous, je vous le dis. Alors, on a souhaité parler en fait du siège d'Auberoche, qui est un petit peu passé à côté de l'historiographie de la guerre de Cent Ans, qui est une historiographie qui, on doit le dire, a été assez renouvelée ces dernières années. Hein. C'est un sujet qui ne dément pas son intérêt auprès des historiens, toujours plus croissant, et d'ailleurs au-delà des historiens. Hein, la guerre de Cent Ans fait vivre toute une partie de la culture en Occident, en tout cas. Et on a trouvé que c'était une bonne occasion aussi de renverser un petit peu les perspectives, c'est-à-dire de ne plus considérer seulement la ville comme une simple victime de la guerre, mais au contraire comme un acteur à part entière. Et c'est ce que j'avais pu montrer avec Bordeaux, j'y reviendrai un petit peu en conclusion. Et ici, on a un cas extrêmement exceptionnel. Je pense que le mot qui nous est venu quand on a travaillé dessus avec Sandrine, c'était un cas assez exceptionnel de siège qui est complètement passé à côté parce que éclipsé par la flamboyance de l'épopée de Jeanne d'Arc, hein, qui clairement fait qu'on oublie un petit peu tout ce qui se passe dans ces années-là. Et donc je vous propose en introduction d'y revenir rapidement sur ce contexte. Ce contexte politico-militaro de ce début pardon de 15e siècle. Et j'ai choisi un titre un petit peu le bon, la brute et le truand. Donc c'est le banni, la ville et l'aigle. Et vous allez vite comprendre pourquoi, parce que c'est un triptyque en fait pour le contexte. Et tout commence avec le traité de Troyes de mai 1420, parce que ce traité entérine un changement juridique dans le contexte de la guerre dans le sud-ouest, qui est probablement très très mal daté pour la guerre de Cent Ans, hein, parce que si on prend les guerres de Gascogne comme début finalement des affrontements
de cette guerre de 100 ans, on remonte à la fin du XIIIe siècle. Hein. Et si on suit Pierre Prétoux, qui a travaillé notamment sur les crimes et justice en Gascogne, et qu'on regarde en fait la fin des violences militaires exercées dans la région, on arrive au début du règne de Louis XI, c'est-à-dire 1461. Vous voyez que les 100 ans sont largement dépassés. Et mai 1420 change complètement la donne, puisque avec le traité, le dauphin, le prétendu dauphin, Charles, est déshérité. Et par conséquent, tous ceux qui le suivent, tous ceux qui appartiennent à la mouvance du parti des Armagnacs sont considérés par Henri V, qui du coup gouverne de fait, ennemis et rebelles au roi. Et ce renversement de perspective appelle en fait à lancer une grande campagne militaire, non pas de conquête, mais de répression de la rébellion, puisque du coup les ennemis sont considérés comme rebelles à ce moment-là. Et vous avez le bassin aquitain qui s'embrase à ce moment-là. Je vous le montrerai dans une carte suivante. Et vous avez cette ville de Périgueux qui se retrouve en fait sur la ligne de front. Alors, Périgueux, elle appartenait à la famille de Talleyrand depuis le Xe siècle, et en choix de lignage assez malheureux, elle passe son temps à faire la bascule entre les deux camps, et en juillet 1399, le dernier rejeton de la famille, Archambault VI, est définitivement condamné à la saisine de ses terres par le Parlement de Paris. Et le roi de France à ce moment-là, Charles VI, pendant que Archambault VI, constatant la saisie de ses terres, va se réfugier dans l'autre camp, c'est-à-dire auprès de Richard II. C'est certainement pas le meilleur moment pour lui de rejoindre la cour anglaise, puisque vous le savez, c'est Shakespeare qui en parle le mieux. Richard II est déposé, Henri IV monte sur le trône, et c'est ensuite la geste des Lancastres jusqu'à Henri VI. Ce comté est donc confié ensuite au frère du roi, Louis d'Orléans qui a de grandes prétentions sur tout ce sud-ouest du continent, qui échoue, en grande partie à cause de Bordeaux. Il faudra qu'on puisse vraiment un jour pouvoir le démontrer, puisqu'il est assassiné, et ça passe à son fils, Charles d'Orléans, le poète, qui est capturé à la bataille d'Azincourt et qui va passer la majeure partie de sa vie en Angleterre. Il confie à son frère bâtard, très connu, Dunois, compagnon de Jeanne d'Arc, donc on ne quitte jamais vraiment Jeanne d'Arc. Dunois, il a l'avantage d'être un bâtard, donc de ne pas pouvoir avoir de prétention sur ce que possède son frère. Et Dunois, ne pouvant pas être partout, il confie ça à un rejeton d'une autre famille très, très en vogue à l'époque, c'est la famille Blois-Penthièvre, qui ont des prétentions sur le duché de Bretagne, et à un fils de Jeanne de Penthièvre, qui s'appelle Jean Sire de l'Aigle à l'époque. On verra qu'il aura une destinée extrêmement intéressante, et même si sans postérité, en tout cas, il aura à un moment donné quand même une place assez imposante dans l'espace nobiliaire français. Ce décor doit faire comprendre que du coup vous avez deux prétendants pour un duché, pour un comté, pardon, et ces deux prétendants vont ici être dans le contexte de la guerre du Sud-Ouest. Donc je vous ai ici dressé une carte de tout ce que j'avais pu recueillir comme élément de stabilisation, parce que c'est un espace frontière. C'est très difficile d'arriver à donner les cartes du duché d'Aquitaine et de la mouvance tant des partisans du dauphin, tant des partisans du roi-duc. Hein. Donc on parle de roi-duc quand on parle des partisans du roi d'Angleterre, et on parle des partisans du dauphin quand on parle des partisans de ce qu'on appelle communément les Français. Donc vous avez Bordeaux et Périgueux qui vous ont signifié, et on observe pendant toutes les années 1420 une activité militaire intense qui a pour épicentre Bordeaux et qui se dirige tout d'abord le long du bassin Vinaire. On avait pu le voir avec Sandrine le long des fleuves de Garonne et de la rivière Dordogne, mais aussi au nord. Et ce qui est intéressant, c'est que Bordeaux agit un petit peu, pour le coup, en véritable acteur militaire. On y reviendra. Elle désobéit un peu parce que le roi-duc lui demande d'intervenir surtout au nord, puisque c'est là le cœur du pouvoir du dauphin, et elle préfère sécuriser son bassin d'approvisionnement Vinaire en vin en premier lieu.
Donc nous allons nous centrer sur cette région que je vous ai montrée. Vous voyez que la notion de ce qu'on appelle un bassin défensif pour l'histoire médiévale, mais qui se retrouverait, je pense, pour toutes les périodes, c'est-à-dire cette capacité qu'une ville a de sécuriser autour d'elle toutes les petites places qui vont lui permettre notamment de communiquer avec le reste des autres espaces, eh bien ce bassin défensif est largement grignoté par les opérations militaires qui prennent pour Bordeaux. En termes de sources, et je présenterai rapidement le compte, c'est-à-dire le compte du consulat de Périgueux, je laisserai Sandrine le présenter un petit peu plus en avant, mais surtout, je voulais vous présenter cette deuxième source qui est totalement qui rend en fait ce dossier exceptionnel. C'est une enquête réalisée en 1461 qui a été éditée par Claude-Henri Pierrot, qui est tout à fait remarquable parce que pour une fois en histoire médiévale, on a des témoins directs de l'événement qui racontent, qui ont participé et qui racontent leur guerre. On va devoir rentrer dans la chronologie du siège, une chronologie un peu difficile. Et on discutait avec vos camarades du GER lors de la thématique de l'histoire-bataille que vous avez tenue un peu plus en fin d'année dernière, de s'attacher à la chronologie. Et c'était Caroline Le Mao qui disait que c'était vraiment quelque chose de fastidieux. Oui, c'est vraiment quelque chose de fastidieux, mais c'est fondamental pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et j'ai donc décidé de vous faire une carte animée. Pareil pour les flashs, hein, je rejoins Monsieur Petit. Elles ont une certaine valeur, mais dans l'absolu, elles ne peuvent pas, bien sûr, rivaliser avec ce qu'on a pour les époques plus récentes. Donc, la situation en 1428 est la suivante. Vous avez Périgueux qui se trouve ici, le long de l'Isle. Et vous avez la place d'Auberoche, qui est juste à côté, à une quinzaine de kilomètres à l'est, le long de l'Auvézère, on y reviendra. Vous avez aussi Estissac et Vert, qui sont des places tenues, alors probablement pas par des partisans du roi-duc direct, mais par des partisans du comte déchu Archambault, et Auberoche est a priori sa résidence, puisqu'il, malgré la saisine de 1400, dans les années 1415, profitant de la guerre civile, il arrive à récupérer la place et il en fait sa résidence. Donc il est vraiment à portée de la ville de Périgueux, et cette haine entre Périgueux et son ancien comte est vraiment palpable. Hein. Depuis 1378 déjà, la garnison d'Auberoche pose des problèmes à la ville. Hein. Il suffit de lire le livre noir pour s'en rendre compte. Et on a très régulièrement dans les comptes des plaintes, des rapports comme quoi des habitants, du bétail, des chevauchés ont été faites. Et on est vraiment, du coup, la contre-mobilité que vous évoquiez juste à présent, on y est en plein dedans. Hein, à partir d'une petite place, d'un petit repère, un petit groupe peut être une véritable nuisance pour les communications d'une autre ville. Donc, pour réduire cette place, aux alentours du 16 mars 1428, avant certainement, une bastille est installée. Alors les bastilles, elles ont une certaine célébrité, surtout si vous suivez l'épopée Jeanne d'Arc, hein, c'est toutes ces bastilles autour du siège d'Orléans. Eh bien, c'est une tactique classique que vous avez là, qui s'installe par la volonté du Sire de l'Aigle, même si on a des doutes sur qui commence vraiment le siège. Est-ce que c'est ce Sire de l'Aigle veillant sur ce que Dunois lui a confié, c'est-à-dire les propriétés de son frère Charles d'Orléans? Est-ce que c'est une volonté royale? Les témoins et les comptes, hein, ces deux sources principales, divergent un petit peu. Et j'aurais tendance à dire qu'au départ, il y a quand même une volonté royale, puisque le sénéchal du Périgord est présent dès le début. Ce qui est classique à l'époque, c'est que vous avez un siège qui se met en place, et ou pas, une armée de secours qui vient essayer de dégager la place. Cette armée de secours, elle est composée du captal de Bouche, qui est Gaston de Foix, grand seigneur du parti du roi-duc, qui est très bien possessionné, qui a même été mythifié par Thierry Lafronde, même si ce n'est pas celui-ci, c'est son ancêtre qui est dedans. Mais voilà, captal de Bouche, pour une certaine génération, ça évoque le méchant. Le captal de Bouche et ses alliés arrivent avant septembre 1428 pour essayer de dégager la place, et ils arrivent avec une force assez conséquente, hein, de 1500 hommes,
pour essayer de faire lever le siège. Pourquoi je l'ai fait arriver du sud ? Eh bien, parce que au mois d'avril 1428, Marmande, la grande ville après Bordeaux sur le quand on remonte la Garonne, c'est probablement Marmande. Marmande a enfin été prise après plusieurs tentatives et il a fallu, je pense, plusieurs mois pour arriver à renouveler cette armée et la faire monter sur le nord. Parce qu'à ce moment-là, il y a une même si la dynamique sur toutes ces années-là, jusque dans les années 1440, est clairement pour les partisans du roi duc, il y a des contre-offensives. Hein, par exemple, à Marmande, Toulouse a envoyé de l'argent pour essayer de faire tenir Marmande le plus longtemps possible. Cette armée de 1500 hommes, elle se heurte à un très gros dispositif, en fait, déployé par le Sire de l'Aigle. Les témoins parlent de 2 à 4 000 combattants, ce qui est relativement important pour quelqu'un d'une petite envergure à l'époque. Hein. C'est vraiment, il a fait appel à tout son réseau d'alliances pour réunir autant de combattants. Et les témoins insistent aussi sur l'aspect pratique, le ravitaillement par chariot. Donc, je vous lis un passage. 9 charrettes, d'ailleurs, de toutes parts, vinrent vivres et artillerie. Et il y avait 100 charrettes et grands charrois. Et ça, c'est Ségui de Champagne, un écuyer qui était présent au siège, qui le raconte. Et ce qui permet à toute cette petite noblesse locale de venir sans bagage, ça, c'est Jean de Coux qui témoigne, et qui dit chacun arrivant avec sa lance, simplement, pour participer. Et on a la possibilité d'avoir quelque chose d'assez rare, c'est combien de temps il faut pour faire Périgueux, Aubroche, 3 jours. 3 jours pour faire 15 kilomètres, je trouve quand même que c'est assez rare pour être noté, d'autant plus qu'il y a la facilité de passer par cette petite rivière qui est l'Auvézère. Oui. Cette armée de secours va repartir. Et elle va repartir vers un autre siège mené cette fois-ci du côté de Cahors. Donc elle va faire plus de 120 km pour aller se rendre à Mercouès au nord de Cahors. Et sur les itinéraires, on n'a aucune idée de comment ils ont fait ça. Mais c'est des raids dans la profondeur et dans la grande distance. Sachant que, vous voyez, hein, y a quand même plein de places adverses sur le chemin. Et cette affaire de Mercouès est bien connue par les sources cahorcines, ce qui fait qu'on sait qu'il y a une première tentative, du coup, avant septembre 1428. Deuxième tentative dès novembre 1428 pour faire sortir la place, c'est le bien tristement célèbre ici pour Bordeaux, Gadifer Shortoz, qui tente depuis Bergerac, dont il est le capitaine, de dégager la place. On ne sait pas vraiment en fait s'il a réussi ne serait-ce qu'à approcher aux broches, et c'est un échec à nouveau retentissant. D'ailleurs, pour le contrer, le Sire de l'Aigle fait une première fois clairement appel aux forces de Périgueux pour le 29 novembre avec un consul, Forteau de Saint-Chastier, de Saint-Astier, qui arrive avec 24 compagnons. Donc ça paraît ridicule, 24 hommes, hein, quand vous aviez les montants précédents. Mais en tout cas, c'est un élément important, puisque du coup, la ville est réellement impliquée, un consul, des troupes. Et à nouveau, Forteau de Saint-Chastier ramène encore 25 hommes fin décembre, ce qui suppose en fait des allers-retours. Ces allers-retours, hein, je vous l'ai dit, il faut compter à chaque fois 3 jours, et c'est dans les comptes qu'on a ces dépenses, puisqu'ils nous disent combien à peu près ils ont passé de temps sur le champ. Ces renforcements sont aussi ceux d'alliés du Sire de l'Aigle, et là vous voyez en fait toute la petite nobilité de la vicomté de Limoges qui est au-dessus, avec le vicomte de Turenne, Joanne de la Roca, qui sont des capitaines de place modestes en fait. On est vraiment dans la toute petite nobilité qui vient renforcer cette Bastille. Et le Sire de Coulonges, ce qui est drôle, c'est que c'est probablement quelqu'un qui connaît très bien la place d'Auberoche, puisque c'était lui qui l'avait possédé au nom du duc d'Orléans en 1400, lorsque la saisine a été prononcée. Il a ensuite été fait Sire de Coulonges, et il obtient comme ça plusieurs avantages. Donc il est vraiment dans la parentèle, c'est un fidèle du Sire de l'Aigle. On a ensuite, en février 1429, une nouvelle tentative avec cette fois-ci, alors là c'est quelque chose d'assez improbable, un canon qui a un nom,
qui s'appelle Le Loup. Alors, la grande question que je me suis posée, c'est connaissant en fait un petit peu ce qui s'est fait auparavant. Un gros canon est fondé une dizaine d'années auparavant, une grosse dizaine d'années auparavant à Bordeaux. Bordeaux, grosse production d'armement, hein, tout simplement parce qu'une des premières mesures de guerre qu'on fait, c'est faire un embargo sur les armes. Et donc pour tous les partisans du Roi-Duc dans le sud-ouest, la grosse station de production d'armement, c'est Bordeaux. Production de qualité, puisque par exemple les épées de Bordeaux sont des épées de prestige qu'on offre. Mais ils ont aussi la capacité de fondre de grosses pièces, de marteler de grosses pièces, puisqu'ils fabriquent aussi des ancres. On oublie à quel point Bordeaux a été un centre de construction navale et un port. Sandrine y avait donné quelques places. Hein. Et cette capacité, en tout cas, à faire des pièces d'artillerie est attestée, puisque à Budos, en 1421, un gros canon est montré devant la place, et la place se rend juste à la vue du canon. Alors, est-ce que c'est ce même canon-là qui, entre-temps, a été baptisé ou pas ? J'aurais des doutes, parce que c'est un canon martelé, ça dure pas très longtemps avant que ça vous explose à la figure. D'un point de vue juste physique, c'est très compliqué. Donc bon, toujours est-il qu'il est suffisamment imposant pour avoir un nom, et tous les témoins s'accordent à dire qu'ils arrivent à le faire rentrer dans la place en arrivant depuis probablement Werth. Et là, juste si on regarde les vallées, puisque vous voyez, hein, c'est quand même très encaissé. Si on regarde les vallées, par où est-ce qu'ils arrivent à passer pour rejoindre Oberhoch sans se faire prendre par la patrouille ? D'autant plus que le sire de Bourdeille est convoqué, et ça c'est les comtes qui nous le disent aussi, pour essayer de les embûcher, hein, c'est le terme qui est employé. Ils arrivent quand même à rentrer plusieurs dizaines de combattants, du ravitaillement et un canon dans la place. Ce qui laisse penser quand même que la Bastille n'était pas un système imperméable, très clairement. À nouveau, Forteau de Saint-Astier est sollicité au mois de février, et en fait on aurait des combats tout le long de cette fin d'hiver 1428-29 aux alentours de Broche. D'ailleurs, ces compagnons de Forteau de Saint-Astier sont dits armés à pied et à cheval, hein, c'est probablement parce que dès la sortie de la ville, ça doit grouiller de partisans du Roi-Duc. La situation vers 1429 se calme à nouveau. On propose un rachat de la place, ce qui est une pratique typique de l'époque. Et ce rachat de la place intervient dans le cadre de ce qu'on appelle les suffertes. Alors les suffertes, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de médiévistes parmi nous, c'est tout simplement des trêves. Je laisserai Sandrine développer là-dessus. Et il y en a une qui est accordée par le capital de Bouche qui tient les places aux alentours, mais Oberhoch ne rentre pas dans les trêves, et même en fait l'achat visiblement tourne à la trahison. Les comptes n'en font pas mention, mais l'enquête est très claire là-dessus. Il y a une trahison de la part du capitaine d'Oberhoch qui partirait avec un pécule estimé à 4000 écus, ce qui est une somme faramineuse, et les otages. Les otages, c'est-à-dire que les otages garantis pour le rachat de la place aussi sont capturés, et le sire de Coulonges qui tenait la Bastille fait partie des otages et sera libéré à la prise de la place. On a un imbroglio ici sur le mois de juillet, puisque en fait une proposition de trêve est à nouveau proposée à la place pour pouvoir faire les opérations agricoles. Le 2 juillet, elle est proposée. Finalement, le 12 juillet, elle est acceptée. Mais entre-temps, en fait, elle avait été refusée, juste proposée pour 8 jours, au nom du fait que la Bastille n'avait pas été évacuée, ce qui mettait la garnison d'Oberhoch dans une situation compliquée. Mais finalement, elle aurait été fin juin. Bref, il y a un imbroglio sur ce début juillet, sur cette date d'évacuation de Bastille, qui probablement peut-être s'expliquait par tout simplement la trahison. Je pense que la trahison pourrait être l'explication de cet imbroglio. Finalement, il y a une première sufferte qui est passée, et visiblement, la situation se calme jusqu'à à nouveau des combats fin 1429, avec des échanges d'artillerie notamment, sur cette place. On arrive aux années 1430, donc en fait là, le siège est terminé.
le siège est terminé, puisque la Bastille a été évacuée, a priori on pourrait penser que le siège est terminé. Mais une nouvelle trêve est demandée au 12 janvier suite à ce que les sources disent, une rupture. Alors, on ne sait pas de quelle nature, est-ce que c'est juste le terme de la trêve ou est-ce que c'est toujours lié à cette histoire de trahison, on n'a pas réussi à débrouiller ça. En avril, une trêve générale, cette fois-ci proposée par les Français, est acceptée. Mais 20 jours plus tard, un coup de main de nuit est organisé par un routier qui s'appelle Morina. Et là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vient s'appuyer l'archéologie. Donc on a vraiment un dossier complet. On a des témoins, on a de l'archéologie. Et c'est notamment l'article de Jan Laborie sur Rob Roche qui, ici, sur le plan, vous le voyez, a réussi à déterminer le faubourg qui est ici, en fait, qui est le faubourg qui est donc pris dans la nuit du 24 ou du 25, c'est pas très clair, par ce routier qui s'appelle Morina. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les parties, la partie droite, vous voyez l'éperon rocheux barré, là, vous avez toute la partie droite, il identifie cette partie droite, 31-32, là, tout à droite, comme étant probablement l'emplacement de la Bastille. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une carrière et on a une extraction de pierre qui correspond tout à fait à l'artillerie de l'époque, hein, on utilise encore des boulets de pierre, donc ça me paraît être une hypothèse tout à fait plausible. Finalement, 120 hommes de Périgueux sont envoyés dès le 25 avril, accompagnés à nouveau par le 27 avril de la nobilité locale et d'autres troupes venant de Périgueux. Et la ville est aussitôt, la place est aussitôt mise à détruire. Destruction partielle, mais destruction quand même. Je laisse la parole à Sandrine. Oui, merci Vincent. Vincent vous a posé le cadre événementiel. Moi, je vais véritablement rentrer dans le sujet de la ville en guerre et voir comment Périgueux s'est engagé, s'est mobilisé dans cette affaire. Parce qu'effectivement, à la seule loupe de ce siège d'Auberoche, le cas de Périgueux pourrait passer pour exemplaire dans la conformité à ce que les médiévistes ont appelé le modèle de la ville en guerre, hein, tel qu'il se configure pendant la guerre de 100 ans. Puisque Vincent y a fait allusion, le conflit a en effet accéléré la montée en puissance des villes qui était effective dès le XIIe, XIIIe siècle, en faisant des enjeux stratégiques majeurs, dont vous avez dit combien les villes étaient soumises à la violence du temps, à la mobilisation militaire, mais ont obtenu aussi en corollaire une beaucoup plus grande indépendance, voire autonomie politique, hein, avec des prérogatives accrues en matière de défense, en matière de fiscalité, et je dirais aussi une montée en force de l'identité et des patriotismes locaux liés justement à ce contexte de guerre, hein, tel que Vincent vient de le décrire. Et Périgueux colle parfaitement à cette dynamique, à ce modèle, pour le meilleur d'ailleurs comme pour le pire, hein, on va essayer de le voir. Alors, première chose que je voulais mettre en exergue, hein, c'est l'idée de poser un petit peu quelques aspects sur Périgueux en elle-même, même si je vais passer très vite, puisque c'est quand même pas le sujet, mais vous faire juste quelques remarques sur cette ville qui est ce qu'on appelle une ville double. Hein, vous voyez ici les deux noyaux qui la composent et qui n'ont jamais été unifiés. Le noyau le plus ancien... Est-ce qu'on voit bien la flèche ? La flèche n'apparaît pas. Ah, pardon, excusez-moi, je vais prendre stylet. Vous avez ici, c'est pas très heureux ce que je fais du coup, la cité, hein, la cité qui est à la fois le siège de l'évêque initial, mais aussi le siège du comte, hein, qui s'est établi au cœur même des arènes antiques. Et puis ce second noyau, alors je voudrais pas refaire d'horribles dessins, ce second noyau ici qui s'est forgé autour du monastère Saint-Franc, appelé après à devenir chapitre collégial, et qui réunit ce noyau qui s'appelle le puits Saint-Franc, et dans lequel, à partir du XIIe siècle, va s'installer le consulat de Périgueux, un consulat que l'on voit émerger dans les sources à partir de la fin du XIIe siècle, et dont on peut penser que l'hommage rendu à Philippe Auguste en 1204, accordant aux habitants de Périgueux le statut de bourgeois du roi, est sans doute un acte éminemment fondateur.
Donc, pensez à ces deux entités qui ne s'entendent pas, mais à la montée en puissance depuis Saint-Franc, où s'est établi le consulat. Et c'est là, véritablement, que se joue le gouvernement de la ville, hein, avec un consulat qui est doté de prérogatives déléguées par le roi, son suzerain, envers lequel la fidélité de Périgueux n'a jamais failli. Périgueux a toujours été français. Il n'y a pas, comme d'autres villes, voire Bergerac, hein, je vois ici, qui se joue de changement d'allégeance. Périgueux, c'est véritablement la fidélité sans faille au roi de France. Et en ce sens, elle répond bien au schéma de la bonne ville, qui, chez les médiévistes, répond à ce schéma du relais de l'administration royale, hein, qui est vraiment, Périgueux joue parfaitement ce rôle-là. Alors que la cité, elle, est du côté anglais, hein. Vincent l'a dit, enfin le comte du Périgord s'en arrange et change lui aussi, selon son bon vouloir, d'obédience. Quoi qu'il en soit, sans que je revienne là-dessus, j'insiste beaucoup pour dire combien avec le comte, le rapport du consulat est dans un conflit structurel, hein, avec des moments de crise aiguë, notamment la décennie 1390, hein, parce que les comtes ont été parmi les plus violents et les plus prédateurs de tous ceux qui ont exercé leur chevauchée et leur rapine sur le pays de Périgueux, hein. Et on a là donc véritablement un règlement de compte entre les deux qui se joue autour du siège de Broche, qu'il faut penser donc à ces deux niveaux, à la fois un siège classique du conflit franco-anglais, mais à la fois aussi un conflit structurel et ancien entre le consulat et le comte. Alors, ce consulat, je vais aller vite, a été gros producteur d'écrits, dont il nous reste quelques sources non moins fondamentales. Le petit livre noir sur lequel je passerai vite, qui est un registre à la fois de délibération municipale, mais aussi mémoriel, mais surtout ce qui fait véritablement la particularité de Périgueux, c'est d'avoir conservé une série de comptes, hein, qui s'étalent de 1314 à 1505. C'est absolument remarquable, on connaît très peu de villes qui aient cette telle continuité de conservation des registres de comptes, hein, qui ont été de surcroît transcrits et édités par un remarquable occitaniste qui est Jean Roux, hein, qui fait que les médiévistes ont à disposition ce magnifique capital. Et pour Auberoche, je me suis centré, Vincent aussi, sur trois comptes, du CC 74 au CC 70. Qui, vous le voyez, vont de 1427 à 1431. Alors, on peut regretter que le compte antérieur, le CC 73, soit de 1420-1421. Il y a donc un trou chronologique entre les deux et on ne peut pas véritablement voir débuter l'affaire. Hein, telle qu'on la voit en 1427, le siège d'Auberoche est déjà largement entamé, hein, et on ne peut pas mieux le voir en amont. De même, il faut bien que vous pensiez que cet enregistrement comptable ne donne de l'événement que l'écume, hein, des opérations financières auxquelles il a donné lieu, avec des commentaires plus ou moins circonstanciés et explicites, et une rédaction qui se fait a posteriori des événements rapportés. Il n'empêche que ces écrits comptables, s'ils n'aident pas véritablement à restituer l'événement, hein, ou même le complexifie sa lecture, en revanche, ils sont très instructifs sur les domaines d'action et d'intervention des autorités consulaires, notamment en matière d'implication dans la guerre, et ce qui fait que j'ai relevé quand même 85 occurrences dans ces seuls comptes-là, pour ces seules 4 années qui sont relatives à la prise d'Auberoche. C'est dire l'importance, hein, de ce siège et de cet événement pour le consulat, alors même qu'il faut bien que vous pensiez qu'en même temps, Périgueux participe à d'autres opérations militaires, à Limeuil, à la Force, à la Tour Blanche, etc. Donc Auberoche n'est pas son seul objectif militaire, il en a bien d'autres, il n'empêche que Auberoche va quand même jouer un rôle important. Alors, j'ai évidemment, en bonne historienne, organisé mes occurrences, mes 85 occurrences en tableau, en fonction des domaines d'action, en déterminant 6 domaines d'action. Je ne vais pas vous passer ici tous mes tableaux, hein, mais vous voyez comment j'ai ordonnancé ces références, hein, en fonction donc de ces domaines d'action. Ici, vous avez logistique, là, pardon, excusez-moi, là, vous avez le fouage, la sufferte, etc. Hein, et c'est
à partir de ces tableaux que j'ai pu faire émerger quelques entrées qui donnent à voir cette intervention municipale. Premier élément, c'est d'abord combien la ville est mobilisée. Vincent y a fait référence, je vais passer un peu vite sur cette question des milices communales, hein, puisque Vincent a montré comment la ville avait à quatre occasions envoyé des compagnons, hein, des forces à la Bastille d'Aubeuroche. Hein. On a là vraiment l'archétype de la milice urbaine, hein, qui correspond à la participation de la ville à ce qu'on appelle l'arrière-ban, qui est une sorte de mobilisation générale lancée par le roi à l'occasion de conflits ouverts. Hein. On le voit réactivé au moins depuis la fin du XIIIe siècle. Et ici, on a là tout à fait cet archétype, hein, de la milice urbaine. Vincent vous a dit combien là c'était des compagnons de l'ordre de 25 personnes qui sont envoyées en mars 28, en novembre 28, hein, en février 29 et encore en avril 29, avec un nombre et un fonctionnement qui ne semblent pas varier. On les a vus sous la conduite de Fortaud de Saint-Fastier. La ville fournit des vivres, je vais y venir tout de suite. En revanche, il ne semble pas qu'elle gage ses compagnons, que c'est plutôt Monseigneur de l'Aigle qui se charge de ça. Et enfin, je voudrais signifier la différence qui se joue en 1430, puisque là, on a l'impression que la ville fait appel à une mobilisation générale, hein, avec notamment une ligne budgétaire réservée à l'achat de chandelles, qui témoigne que les consuls rassemblent la population de nuit, ce qui n'est pas sans m'intriguer. Est-ce qu'ils le font pour plus de discrétion? Est-ce que tous les habitants y sont confiés? Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est qu'on a l'impression d'une participation générale, puisque dans les recettes, par exemple, je trouve ce type de ligne budgétaire reçue de 5 écus de certains gens de la ville qui ont donné pour bailler à ceux qui allaient prendre Aubeuroche. On voit bien que ceux qui ne peuvent participer directement en armes à la prise, gagent, hein, des personnes. Je passe un peu vite là-dessus, mais on a bien donc sur ce moment final de 1430 un effet de mobilisation générale. Au-delà de ces milices communales, il faut que vous pensiez l'opération Aubeuroche mobilise toute une palette d'autres acteurs. Et ce que je voudrais faire monter au premier titre, c'est les messagers. Alors les messagers qui sont mobilisés à plusieurs titres, hein, c'est vraiment les personnes de confiance qui sont expertes en diplomatie comme en aventure sur les chemins périlleux du Périgord en guerre. Hein. Alors deux sont les plus cités dans les contes, et je vous ai fait remonter une occurrence de 1429, hein, il s'agit de Ronat et Codon, hein, qui tous les deux sont les messagers les plus présents dans les contes. Hein. On les voit intervenir tant, alors toujours à la demande du consulat, tant pour aller prévenir par exemple les gens de la Bastille d'Aubeuroche de l'avancée des troupes anglaises, que pour accompagner, vous le voyez ici, là on le voit pour le porter des nouvelles, que pour accompagner aussi certains négociateurs lorsqu'ils doivent aller parlementer avec les forces armées, et on les voit donc intervenir, braver les périls, être prêts à manier les armes pour défendre ceux qu'ils accompagnent. Et ça doit être aussi, en-delà du fait d'être de bons guerriers, de bons messagers, ça doit être aussi de sacrés marcheurs, parce que pour leur rétribution, ils sont payés en sabots, entre autres choses. Donc c'est dire combien on a là des hommes tout à fait de confiance. De la même façon, la mobilisation génère aussi l'implication de personnel municipal. Je vais vite. Le comptable qui est remercié pour son travail et les prêts auxquels il a consenti. Des consuls qui sont envoyés comme négociateurs. Des collecteurs, hein, qui vont faire la levée des impôts. Et puis, la logistique et l'approvisionnement en produits divers suscitent également le recours à une foule de personnes, que ce soit des gens de métier qui semblent relever du cercle d'interconnaissance des consuls, ou que ce soit des simples habitants qui vont fournir qui du pain, qui du vin, voire même loger certains grands qui viennent négocier en ville, etc. Donc on a là une mobilisation générale de la ville. Deuxième aspect, c'est qu'évidemment, qui dit guerre dit ponction, dit prélèvement sur la ville. Et de ces prélèvements, on voit véritablement deux choses. D'abord, la principale implication de la ville dans la guerre, c'est qu'elle approvisionne
approvisionne l'armée au siège. Alors ici, on la voit surtout approvisionner les compagnons hein, à qui elle porte des vivres, hein, mais il arrive aussi, comme par exemple en avril 1429, qu'elle donne aussi à manger, si je puis dire, à d'autres forces. Hein, on la voit nourrir 120 compagnons. Alors, je vous ai mis quelques extraits, hein, c'est pas du tout la totalité, mais c'est juste pour que vous voyez un peu la diversité de l'avitaillement. Il s'agit principalement de pain et de vin, mais par exemple, on la voit fournir des pois et des fèves en novembre 1428 à ses compagnons. Les compagnons demandent aussi des œufs pour améliorer l'ordinaire. Hein, et il faut que vous pensiez que cet approvisionnement génère toute une logistique d'hommes et de bêtes, hein, jusqu'à l'usage du bateau, hein, pour aller nourrir ces braves compagnons qui défendent la Bastille. Et il y a évidemment beaucoup d'aléas, de pertes, notamment de barils de vin qui se perdent en chemin. On ne sait, cette perte est toujours un peu... Voilà, c'est la part des anges, on va dire. Hein, voilà. Tout ce qui, en matière d'armes, hormis le fait que les compagnons soient armés et qu'à un moment donné, on ait un convoi de pain et de vin qui soit accompagné de lances et d'arbalètes, je n'ai pas l'impression que Périgueux donne des armes, hein, ou alors plutôt, je dirais, des matériaux qui vont avec, les barres de fer, etc., hein, ou des moyens pour réparer certaines armes, mais il n'y a pas véritablement d'éléments là-dessus. Le fouage, c'est aussi notre façon de ponctionner la ville. Le fouage, vous savez, c'est l'imposition qui va être décidée par le roi et qui sera, en l'occurrence ici, dédiée à l'opération militaire diligentée par Monseigneur de Lingle, qui a envoyé son procureur, Paye de Royera, écuyer du Limousin, qui est spécifiquement chargé d'établir ce fouage. Un fouage qui est estimé jusqu'à 6000 écus. Périgueux va négocier sa participation, d'abord aux États du Périgord et puis en envoyant des diplomates auprès même de Monseigneur de l'Aigle à Excideuil, pour montrant combien elle est pauvre et combien elle ne peut pas beaucoup donner. Hein, c'est classique, ça, dans la rhétorique urbaine. Hein, et une fois l'impôt consenti, les consuls ont travaillé à sa perception, rédigé les actes officiels et évidemment recruté des collecteurs. Alors, le prélèvement se fait par quartier, mais on a aussi un prélèvement qui se fait à deux portes de l'entrée de la ville et qui doit donc toucher au moins les gens de la juridiction. Là aussi, ça reste un peu... Oui, je me dépêche. Il me reste juste deux minutes à dire sur la ville négociatrice. Avec Vincent, vous a évoqué la question de la surferte. Je voudrais quand même dire deux choses qui me paraissent importantes. C'est que la ville, à la différence de Bordeaux, que nous avons l'habitude de connaître, Périgueux négocie avec des petits. On ne le voit pas négocier avec les grands. Elle négocie avec les agents subalternes. Hein. Par exemple, elle est très copine avec la trompette de Monseigneur de l'Aigle, qu'elle reçoit à plusieurs reprises. Elle est proche de l'aristocratie locale, elle le négocie avec les capitaines de place, mais elle ne va pas négocier avec Monseigneur de l'Aigle directement, ou elle ne va pas, a fortiori, négocier directement avec le roi. Quoi qu'il en soit, la sufferte, c'est elle qui la demande. La sufferte, c'est donc une trêve qu'elle va demander à l'été 1429, parce qu'elle est très inquiète pour faire les moissons et après, évidemment, la vendange en suivant. Et ça veut donc dire que le siège occasionne des pillages sur le pays, et la soldataire vit sur le pays, et elle va donc, on va la voir négocier hein, sur cette sufferte qui finalement sera estimée en écus, mais qui sera payée en vin. Hein, et là encore, avec toute la logistique qu'il va falloir pour transporter ce vin à Oberoche. Et, excusez-moi, j'avais oublié de vous faire signifier, donc voyez, on voit cette sufferte dont Vincent vous a dit que nous n'en avons on a quelques problèmes de chronologie. Enfin, je termine en vous évoquant aussi ce que j'ai appelé, c'est un néologisme que j'essaie de faire monter, le convinage, comme le campanage. Le convinage, c'est le fait de partager le vin hein, et de générer toute une diplomatie du pot de vin. Alors là, c'est tout à fait dans les pratiques de la sociabilité communale où on voit les consuls arroser au sens propre et figurer largement les protagonistes du conflit. On la voit notamment là
largement invités à dîner et à boire, tant les compagnons lorsqu'ils viennent en ville que bien sûr pour fêter la fin du siège, hein, et on les voit notamment invités tant la trompette de Monseigneur de Lègle, le capitaine d'Auberoche, sans parler de tous les présents en pain, en vin, en avoine qui sont faits avec les grands. Voilà, je ne vais pas plus loin, juste Vincent, sans qu'on prenne de temps, je me permets de voilà, aligner un exactement. Peu nos... En fait, ce siège... Non, je l'ai éteint. Si, c'est bon. Ok. Donc, ce siège pour nous est exceptionnel, tant par sa durée qui nous pose question. Hein, pour vous donner une idée, le siège d'Orléans, qui est autrement plus important, pour visiblement est moins long. Même les autres places du secteur ne tombent comme des mouches, hein, quand on fait sur ces 20 ans de conflit dans le secteur, les places tombent comme des mouches. Et on explique en fait que par cette haine, je pense, et cette rivalité, c'est en fait c'est un conflit à tiroir, la rivalité entre les deux prétendants. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le Sire de Lègle rachètera le comté de Périgord. Alors, est-ce qu'il l'a déjà en tête quand il conquiert toutes les places? Mais il va se faire un beau patrimoine puisqu'il aura aussi la vicomté de Limoges. Donc, c'est une vraie assise territoriale pour lui. C'est un vrai enjeu, en fait. Et évincer Archambault, qui a la grâce quand même de vouloir bien mourir en 1430 à la suite de ça. C'est peut-être le coup de trop. On a plein de questions aussi qui se posent sur ces milices urbaines. C'est vraiment quelque chose de l'historiographie. Essayer d'aller au plus près des combattants, on voit rien. On n'arrive pas à savoir sur quelle base ils sont mobilisés. Bordeaux, c'est clairement les jurades, mais à Périgueux, est-ce que c'est les métiers, est-ce que c'est les quartiers, on ne sait pas. Pourquoi 25 à chaque fois? Pourquoi Forteau de Saint-Astier? Ce qui est assez intéressant, c'est que Forteau de Saint-Astier a survécu jusqu'en 1461, date à laquelle il est maire de Périgueux, et il témoigne dans l'enquête de 1461. Donc on a vraiment un acteur de premier plan qui donne une petite version de cette histoire-là. Sur les combats, il y en a, on est passé très vite dessus. Il y a d'abord l'artillerie, le rôle de l'artillerie, Sandrine l'a rapidement évoqué. Mais on a des canons, la mine, le château est miné a priori, il y a divergence parfois sur les récits du combat, mais il y a des morts. Le sénéchal de Périgord qui au début de la manœuvre en 1428 est tué au siège, et c'est un second qui prend sa place en suivant. Le coup faramineux de l'opération, hein, en tout 4000 écus pour la première partie, plus 2000 écus avec l'affaire du routier, pour une place qui ne va pas être totalement démantelée en plus. Il reste aujourd'hui la chapelle Saint-Georges que vous pouvez admirer sur le bord de la route, qui vous montrera un petit peu le dénivelé. Et enfin, c'est la question plus de la polyarcétique et de la question de la Bastille, puisque un bon connaisseur des Bastilles, puisqu'il en a levé pas mal et il en a commandé aussi quelques-unes, c'est Jean V de Beuil, qui a écrit Le Jouvencel, qui est très connu parce que c'est une des premières auto-fiction biographie en langue française, et qui en a un jugement détestable. Il dit que ça sert à rien, la plupart du temps vous fixez pas l'ennemi, vous êtes même pas imperméable, et en plus vous êtes une excellente cible pour les armées de secours. Pour la blague, c'est lui qui commande a priori à Castillon, avec cette fameuse histoire de la Bastille de Castillon, ou pas. Je m'arrête là. Et donc voilà, il y a toutes ces questions-là, parce qu'en fait la Bastille ne sert pas. Finalement, ce qui sert, c'est un coup de main de nuit avec des chandelles. Je vous remercie. Voilà.